Chaque lèo ouvri bouche yo pour yo parler, mais si yo son seul bagay yo ap di, miaou, miaou, miaou. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien, c'est après ULCC, mettez d'ailleurs rapport enquête li, sous question 100 millions goud à 4 crédits dans BNC. Li mandé pour marrer 3 présidents sa yo, plus président BNC a, pour yo extradel dans le pays d'Haïti, yo façon pour jugement capable, fait frères et sœurs. Ou tap li rapport à hier qui sorti, qui ça qui dit, qui sort ouais, et qui sort qu'a expliquer population en sous parti ça. Bon, et bak wè, nous avons besoin d'un li rapport à nan moment ça là parce que ça a besoin de bon titan. Mm-hmm. Et mais gon jan m'ap ese parler de rapport à qui est assez original. Mm-hmm. C'est que rapport à li parler de corruption et tout le monde connaît que l'affaire, c'est et président, ancien président conseil BNCA qui était accusé, mm-hmm. 3 conseillers, Emmanuel Vertiller qui représentait Petite Dessalines, Louis-Gérald Gilles qui représentait Accord 21 décembre, ensemble mm-hmm. avec et Smith Augustin qui représentait un regroupement de partis politiques, mm-hmm. à savoir Compromis historique. Et Fondi Mounio, ça en passant, compromis historique là, il y a au moins 2 anciens sénateurs qui en bas sanction cap poté bourré là-dedans. Qui c'est Yuri La Tortue, c'est pas un secret pour personne monde, bah quoi Yuri a besoin caché encore. Mm-hmm. Ensemble avec Joseph Lambert, qui en gros dans compromis historique, et Mounsayo, c'est eux qui a poussé derrière Smith Augustin. En plus de ça, il y a un raid de Renal Luberis et puis aidé de Claude Joseph et ses enfants ou bien et ses camarades qui n'ont aidé. 3 messieurs Sayo ont été accusés du fait qu'ils ont demandé. Alors, c'est ancien président du conseil BNCA, Raoul Pierre-Louis, qui t'a dit qu'ils ont demandé l'argent pour être capable de conduire dans le poste. Et depuis, Gary Conny, qui est actuel premier ministre PIA, qui m'a dit que y a une enquête qui menait dans le niveau ça. Mais nous connaissons que l'enquête là, Gary Conny était plus mandé pour capable fragiliser CPTA que effectivement lumière faite sur ce dossier. Et ça, c'est dossier politique. Et c'est comme ça qu'on fait politique tout en Haïti. Et c'est malheureux que on est avec Gary Conny, qui passe plus d'une vingtaine d'années comme technicien des Nations Unies. Livina, il pas fait autrement que nèg qui gagne 20 ans depuis a fait politique en Haïti. Ça veut dire et le blanc dit tout côté haïtien et haïtien nous bal raison. Il dit même le négatif fait 30 ans dans les Nations Unies, l'autre côté il a travaillé comme technicien n'a pas résultat. Mais cool vini dans politique en Haïti, c'est blanc bonnet bonnet blanc. Donc et Gary Conny, c'est lui-même qui t'a demandé que enquête menée pour qu'on ait effectivement est-ce que n'est-ce qu'on t'a demandé l'argent. Mais ça crivé, c'est que Raoul Pierre, lui, prend devant, le fait piquer devant, ancien président BNCA, et pensant que le tap, il tap tombé pour, alors, pensant que le tap accusé Negyo pour faire Negyo démissionner seulement, mais il arrive que monsieur, les mouillé tête dans le dossier. Qui fait que, rapport ULCC qui sorti hier là, li pa plus chita sous question 100 millions de goud là. C'est ça pour vous nous connaître. Li ramasse tout témoignage, toute conversation, tout ça qui t'est dit mm-hmm. entre conseiller yo et Raoul Pierre-Louis pour examiner. Ça veut dire pendant que nèg yo concentré sur 100 millions de goud là, gen nèg ki t'a dit yo pas coupable parce que yo connaît pas demander l'argent, mais nèg yo connaît pas demander l'argent. Negyo, gede l'autre bagay ki yo mande, ki pa kadre avec la loi, et qui, selon la loi, c'est corruption. Donc, rapport que ULCC baye la, le pa chita tellement sous 100 millions de goud la. Li di, mais quantité corruption que Negyo fait, et que Negyo peut-être yo même tu pas toi conscient, parce que yon a ici, nous pas comprendre que corruption tellement élastique, bon bon ti baye que n'a fait, c'est corruption que yo e, et gen loi qui sanctionne yo sévèrement. Mais comme, c'est dans deux niveaux qu'on a fait corruption. Il y a corruption qu'on a fait dans la société, dans le Tibet, qu'on a fait chaque jour. Il y a corruption qu'on a fait au niveau de l'État.
Les parents qui vont répéter l'école, c'est même parents ça qui a fait faux carnet. C'est corruption. Et madame Macmouché qui mettait tout ensemble, y a brassé de l'autre monde et c'est corruption. Comme si corruption nous tellement fell nous vinn pas rendre nous compte que c'est parce que dans tout si ça n'a fait en Haïti que corruption lui même li présent. Professeur l'école fait corruption. Directeur l'école fait corruption. Élève l'école fait corruption. Et corruption dans foyer, corruption dans l'église, corruption dans péristyle, nous normaliser la corruption dans société haïtienne. Clair. Marcus bon son bagage qui est extrêmement important et ça important pour peuple haïtien, entendez? Est-ce qu'on compte combien l'argent un conseiller présidentiel coûte peuple haïtien? M'a bien sur ça. Mais sur ça me dit là. Marcus, ça moi te me fait oh, pays a gen cob. Pays a gen ti cob mon cher. Parce que gagner 220 000 goud, ça c'est salaire. Gagner 75 000 goud pour frais fonctionnement. Gagner 400 000 goud pour caille. Oui, deuxième résidence. Gagner 500 000 goud, 4 prépayés. Gagner 250 000 goud pour gaz. Gagner 20 000 goud pour 4 téléphones, madame. Ça, y a pas expliqué qu'on s'en pas qu'on est. Ça fait un total de 1 463 000 goudes, garçon. Et sans oublier 25 000 goudes pour ça, c'est quoi l'intelligence, garçon? Non, c'est 25 millions goudes. Ah, pardon, c'est 25. Pas, oh, merci. Ah, 25, mes amis. L'éternel. 25 millions goudes pour. Monsieur papa, qui ça y cherche? Qui intelligence mon dieu? Oh l'éternel papa. Qu'on y a la Marcus, tale, Marcus. Soit nous font calcul total. OK? Ça extrêmement important. Fon bay papa ici hein ça. On va faire calcul là. Plus 25 moi en bilou Marcus. Plus 25 millions. OK, plus 25 millions. Ça veut dire yon conseiller vini là pour 26 463 000 gourdes. N'est-ce pas? Kounya là, gen moun ki pa fin comprendre goud la net, bon divise le par 5. Avait dit 5 292 600 dollars haïtiens. Chaque mois nan derrière nous. Et puis pays a pa gen l'argent. Il y a pas de cob. Il y a pas de cas démissionné vraiment Marcus. Bon, jusqu'à présent. Il y a pas de cas démissionné. Au grand président coûte nous tout comme ça. Kounya Marcus, multiplie ça par 9 nos garçons. Chaque mois 47 663 400 dollars. Chaque grand mois bon Dieu mette. Mais quantité l'argent yo pas utile nous rien. Non mais et non, moi crois que 25 millions de goudes là c'est pour yo 7 là. Ça veut dire c'est pour la présidence, oui. C'est pas au chaque là. C'est comme intelligence la présidence, c'est pas au chaque là. 25 millions chaque mois c'est pour la présidence. OK. Non, 25 millions de goudes là c'est pour yo 7 là. OK, on est allô, intelligence la présidence. Il y a on fait 25 millions. OK, 25 allez, Marcus. 25, 25 millions divisé par 9. OK. Chaque gagné, 2 millions 778. Non, divisé par 7, parce que 2 observateurs, pas la donne. Yo, y'a pas qui ça? Y'a pas la donne, divisé par 7. Ça que y'a pas la donne? Non, y'a pas la donne. 2 observateurs. Y'a pas l'intelligence là? Y'a même pas besoin. Y'a pas non, y'a des observateurs, oui. C'est garder, y'a pas garder comment y'a passé, mais y'a pas gagné un rôle exécutif là. Gade a tout yon besoin service intelligence pour yon gade. Bon, bah konne si yap jiri yon, non si yap gomba yon électricité en créole. Mais ou gade pa, même pa yon, oui. Ok, admettons nous ta divisé le par 7, pas de problème. Admettons nous ta divisé le par 7, divisé par 7,
OK. Chaque conseiller présidentiel gagne 3 571 000 goud. Mm-hmm. OK. Plus et 1 463 0. Mm-hmm. Ça fait un total de 5 034 428 goud. Yeah. OK, ça c'est pour un président. Mm-hmm. Si multiplié par 7 parce que dès l'autre même n'a quitté ka multiplié par 7. Donc ça vient ba au total de 35 241 000 goud chaque mois. OK. Si nous faisons $1, donc chaque président yo, yo gen bel ti kòb nan men yo, Marcus. Non, gen bay pou yo goud. Et malgré yo gen ça, pas oublier, yo gen ministère. Et yo fè ti kout malta en bas. Yo gen ti $420 000. Yo ap mande ti kòb jusqu'à présent, c'est vrai, ça poko fin clair. Net mais ti kòb sou ti kat la, yel se retrasel. Oui, il y a des gens qui font des dépenses sous lui. Ah, exactement. En tout cas, garçon, ça c'est quantité l'argent chef nous écoute nous, pays à pauvre. Oh, mais. Marcus! Comme d'abord, dit comme révélation. Et puis, bon, véritable désolation, c'est vrai que. Et au moins trois nègres a obligé quitter conseil présidentiel là, parce que c'est une question éthique et morale. Il est vrai que dans. Et accord 3 avril là, pas gen aucun côté qui prévoit que si on conseille la corruption, et c'est là le plus dur, qui jan ou capable de remplacer. Donc ça veut dire, ou seulement comment de nèg yo démissionner. Pas qu'à gen remplacer. Or, démission son acte volontaire que lié. C'est moi qui voulez démissionner pour me démissionner. Personne moun pas qu'à dire, et comme si m'dadou pas qu'à forcer me démissionner en réalité. Bon, alors. La communauté internationale, disons précisément, les États-Unis d'Amérique, capable de dire que tu l'accord, ça, nous connaissons le possible. Mais si c'est pour nous ici, dirigeant ici en Haïti, pas démissionné sous l'autre dirigeant en Haïti. Il pas démissionné non plus sous pression peuple. Il pas démissionné sous pression parti politique que vous représentez. Sinon, si ça le teye, Smith Augustin pas là encore. Il dit le pape démissionne. Koun yan la capable changer d'avis. Il a décidé de démissionner. Ça va dépendre de qui côté l'ordre la sorti tout. Et il y a des gens qui font des hypothèses qui disent est-ce que résultat pour ULCCA, il n'y a pas connu depuis l'ambassadeur américain Chita avec Edgar Leblanc avant même que l'Assemblée générale. La. Est-ce que ce n'est pas ça que tu as tout comme garantie qui fait que tu as la possibilité pour aller dans participer à l'Assemblée générale la? T'es chargé. Donc, ça veut dire, comme toujours, une hypothèse qui fait qu'on est qui a gardé ULCC pour qui est-ce qu'il travaille lui-même tout. Parce que, une bagaille que étrangers ou connaissent, c'est que nous tellement bien dans la corruption, n'importe quel géo font un rapport sur nous, nous avons bien là-dedans. Parce que, pas oublier, rapport à pas concentré sur 100 millions de gouttes là, non? Rapport à concentré sur 6 cartes qui mal baillent. Il concentré sur parole négio, trafic d'influence qui a fait dans la conversation que négio a entre eux. Effectivement. Gaffe un tel revoco, gaffe un tel méto. Et ça, au paquet, doit répéter au plus haut niveau de l'État. C'est corruption qui aurait. Et la loi, lui-même, lui sanctionner ça sévèrement. Claire. Donc, on y a là, c'est problème ça qui vient là. Comment yon ka pousse nek sa yo démissionner? Ou en anglais, genye deux mots. Gen dismiss, ou bien dismiss, que moun nan lui-même, li ka démissionner. Gen resign, ko ka force le démissionner. Est-ce que c'est dans le sein que nous allons comme si forcer les gens démissionner, qui c'est? Est-ce que c'est gon blanc? Ou bien est-ce que les gens apprêtent que vous démissionnez pour continuer? Donc, mais, c'est ça que nous avons regardé pour nous est-ce que le conseiller eux-mêmes est capable de apprêter là? Ou bien qui a venu conseiller là tout? Est-ce qu'il a prêté à 4 personnes? Est-ce qu'il a remplacé Nexa tout? Est-ce qu'il a remplacé tout? Parce que les gens qui ont même volé, ils ne pas besoin de remplacer, quitter la 4 là. Beaucoup la comment décision pour le prince Sylvina 4? Est-ce que Edgar Leblanc sourit là? Parce que
Il y a plus de chance pour le rester net jusqu'à 7 février 2026. Eh, bon, dis chinois comme chauffeur. Bon, dis chinois. Aïe! Bon, qui ça dit chinois comme chauffeur? Ou que la parole est gentil chinois chaud? Si chinois a chauffeur, faut le président. Non, en mais... tout cas, eh, Marcus, mon commission m'bral accompli là, rapide. Donc, ma passe au konna ou même ensemble avec Joël parce que Joël te gen quelques détails pour le bail sous dossier ça. Donc, avancez. N'a pas tourné talent comme ça. Et bon, il gèle fondare les Joël là pour nous garder qui ça ka fait mais faut me dire mon yo que c'est ça gagne pour l'instant. Pour l'instant ces questions ça au cap poser c'est comment faire nèg yo démissionner. Parce que ba elle en li extrêmement grave. Pendant que n'a plein pour question sécurité qui va gagner. Pendant que n'a plein pour l'armée pour qu'a camper sous prétexte que pas gen moyen pour l'armée à camper, l'argent dépensé. Ça veut dire question l'armée a question l'armée a lui-même. Question l'armée a lui-même qui pas qu'a camper a apparemment, c'est pas un problème comblié. La police qui pas qu'a toucher, c'est pas un problème cob. C'est tout simplement yo pas accordé moyen avec la police là. Pour que li fait travailler normalement. Et c'est ça m'a essayé dit à l'heure. C'est pas une question de richesse qui va gagner, c'est pas une question de cop qui va gagner. Mais c'est qui politique n'a pas appliqué qui pour et permettre que l'argent aller côté le talu aller à bon beau cas jeune Joël apparemment Joël occupé et mais n'a essayé tout à l'heure comme ça, n'a essayé tout à l'heure comme ça. N'a pas laissé prendre Joël là. Et bon. On essaye prendre Joël. Joël, oh. Comment est-ce? Marcus, nous l'avons bien. J'espère que vous pouvez l'annoncer. Oui. Et Femme Zimounio, depuis hier, le rapport a tombé, tout le rapport a ban moi. Et puis. Ça ne va pas là. C'est comme si tout dit, me préparer parce que nous pouvons ouvrir le rapport à Bumounio. Qui sont ouais qui sont tant de cap fait et qui sont joignent comme conséquence après rapport ça. Bon, avant même nous entrer dans conséquence, Marcus, on prend le soin pour que nous saluer chaque monde, chaque ami qui toujours fait route avec nous, un parcours qui est un petit peu long parce que vivre en Haïti là, mon cher, la nouvelle là, toujours bon petit temps et ceci nouvelle lieu vient pas bon plus chaque jour. Et évidemment, hier, il y a eu une conférence de presse que l'ULCC, donc, a été informée de l'IADI de 11h du matin, côté que l'on a fait connaître que le bras a déployé rapport et puis vient avec certaines informations extrêmement importantes dans sa Kigawa avec rapport ça. Donc, Marcus, dans une 21, évidemment, conférence de presse a été commencée. Il y a eu M. Jacques Hans, qui était pratiquement accompagné des enquêteurs. Et il y a d'abord commencé la réponse. Mais il faut que nous disions, c'est ton mouvement ou bien c'est ton conférence de presse qui était en cours. Nous avons dit, un mouvement politique, puisque tellement de gains de suspense, soit pas bon côté de la population, soit pas bon côté, nous avons dit, de journalistes qui étaient présents, parce qu'il y a au moins plus qu'une centaine de journalistes qui étaient venus dans l'événement ça. Donc c'est un événement majeur. En entrée exactement, dans ça qui a avec l'information. Eh bien, unité lutte contre corruption et rendre public. Donc, journée mercredi, un rapport enquête sur scandale 100 millions de gouttes. Côté que l'ULCC recommandé pour mettre action publique en branle ou bien en mouvement contre conseiller président Emmanuel Vettilaire, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, et pour abus de fonction, corruption passive avec versement pour le vin. OK? Unité lutte contre corruption, Manitou, pour mettre à la justice en branle contre Pascal Raoul Pierre-Louis, qui a justement lui-même accusé d'entrave à fonctionnement de la justice, abus de fonction, corruption active à affaissement pour le vin. Donc, chaque mouillon, il pratiquement fait face à presque même chef d'accusation. Et Marcus, donc chef d'accusation, ça, il pratiquement un rapport avec corruption pour le vin. Mais tout, donc, unité de lutte contre corruption, c'est pour le jeu, pour le débat, 5 nouvelles. Évidemment,
Non, une nouvelle président Bayo, c'est ça qui s'est paraît étonnant puisque nous songe nous gain pour bon titre depuis nous même dans taxe 709 nous t'ai annoncé et finalité rapport ça, nous songe pas contre songe ça va puisque c'est que c'est très possible donc à côté que monsieur yo va gagner pour il va faire face avec la justice. Maintenant, qui ça qui la cause que ULCC les c'est ça le tranché. Pour gain de monde dans la rue là qui vraiment pas senti que yo confortable par rapport à Jean rapport à sortir à Marcus puisque c'est le même rapport il pas sorti comme ça devrait puisque il y a des questions fondamentales posées mais qui pas rien réponse même si d'accord de tout donc ou probablement pas répondre et Marcus baronne est-ce que Gérald Gilles demande comme la fait donc malheureusement il doit pas gagner tout ça nous parler de ça tout à l'heure et Joël nous parlait de ça tout à l'heure et ULC c'est pas concentré sur ça. Il pas ba une réponse sur ça et il garder de l'autre fait de corruption. Plutôt que nous mettez et que nous mettez dans stade de révélation que nous jouons dans cadre rapport ça. Exact, exact. Donc maintenant est-ce que Raoul Bielouis a c'est menti que le personnage. Malheureusement c'est deux questions fondamentales donc qui était capable de valoriser l'enquête là. Et qui était capable de permettre que toute bagaille est pratiquement finie. Et selon compréhension, PAM, en politique et d'autres personnalités, moi, supporter ça tout, l'ULCC a fait justement son travail ou bien légaliser un paquet de bagaille que nous tous connaissons déjà. Par rien qui paraît réellement comme de l'information mise à part de combien de corps chaque membre CPT a touché, un million, combien de gouttes il a coûté par mois. Donc, je pense que. L'ULCC, les gars ou non, dans une série de petites informations. Maintenant, qui ça qu'elle était capable de faire? Malheureusement, elle n'était pas capable de faire autrement, puisque leur paye une confrontation directe par rapport avec manque d'informations ou bien une personnalité ou pas là, et bien normalement, les supposer, donc assurer que les mandés, la justice vous fait suivre. Comment formule la supposée? Et selon les techniciens en droit, l'IPA revient à ULCC pour le demander, donc pour extrader ou bien extradition Raoul Bielouis. C'est plutôt son fuite en avant qu'il fait, puisque ça c'est l'affaire du commissaire du gouvernement. C'est à lui de voir est-ce que pratiquement concerné ça extrêmement important et l'IDO est fini ou pas. Ou dit monsieur, et s'il doit venir, qui sacré la paix, est-ce qu'il a écrit pour l'entrée d'abord? Ou dit monsieur, s'il ne parle pas l'entrée, est-ce qu'il a demandé pour l'entrée? Donc, quand on a l'élevage pour l'entrée, il est capable d'écrire à pays côté que lié, comme pays d'origine, pour demander s'il vous plaît, est-ce qu'il a voyé ou bien est-ce qu'il a extradé comme ça? Il faut noter, Marcus, même si pays d'origine, ou bien la justice pays côté où on vit là, t'as menté, donc États-Unis par exemple, pour signer menté pour t'as extradé mon tabac, États-Unis doit choisir par où il va, puisque il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Première raison, gagner mon tabac doit faire demande d'asile, c'est le cas même pour Raoul Bielouis parce qu'il fait demande d'asile, donc c'est très possible les États-Unis pour le calculer pour connaître est-ce qu'il a fait ou pas, mais c'est très possible pour le faire. Deuxièmement, est-ce que mon les déplacés qui étaient payés à cause de problèmes de contraintes qui sont capables de coûter famille, lui-même, la vie. Donc, ce sont des questions ou bien qui sont capables d'empêcher les payants d'extrader mon travail. Donc, il faut dire que c'est un fuite en aval de la part des ULCC. Mais pour certains et pour moi-même tout, je fais un travail extrêmement noble. Qui ça qui prend le guerrier comme retombé? Par contre, tout est que tu as parlé de ça, Mounio. Guerrier, le chef du gouvernement, qui pourra saisir le dossier hein, et qui pourra mettre action publique en mouvement contre quatre personnalités ça hein, parce qu'il y a également Raoul Bielouis et les trois conseillers, mais il s'agit également de on certain de Laurent donc qui lui-même c'est une monde qui t'a facilité OK Marcus qui t'a facilité et tire en compte on sait le petit bagage fait et pour voir comment que est capable et normalement et je veux un petit corps qui va avancer et bien ça devait nous permettre à ce que donc yo tout mette action publique en mouvement contre Mounsa. Est-ce que ça tout les dit et que conseiller yo pral en prison? Malheureusement dans des journalistes qui ont dit ça, c'est vraiment pas possible puisque c'est au chef du gouvernement de voir
qui ça qui gagne comme indice. Maintenant, l'Elvin, le dossier arrivé dans mes chefs gouvernement, Marcus, chef gouvernement, libéral, fouiller dossier ça, by, droyen. Donc, c'est droyen Kounian qui va le désigner, ayant un juge d'instruction qui pratiquement maîtrisé, qui a plus maîtrisé dossier ça. C'est à partir de juge ça, Marcus, il va le connaître, quel est l'avenir de cette affaire. Est-ce que son affaire de Kubral classé, qui s'accroît le gagner, est-ce qu'il y aura des têtes qui vont couper, comme disait Leslie Voltaire, donc à partir de décision juste ça. Nous pouvons arriver dans l'étape ça, et entre-temps, mais qui s'accroît gagner comme information. J'ai parlé moi-même à l'un des conseillers indexés dans cette affaire, tout de suite après, Marcus, il finit sorti rapport là. Et puis, moi, j'ai senti que lui parler avec moi, avec en fermeté, et puis moi, dire, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on pas touché de rapport ça? Et qui sont dit de rapport ça? Et pratiquement, Gérald Gilles m'a dit que, rapport ça, c'est un rapport que, ULCC sorti sous emprise politique. C'est-à-dire, donc, ULCC profitait de moment ça pour capable faire, pour faciliter donc un travail pour craser CPT1. Et ceci n'est qu'à assurer que selon Gérald Gilles donc yo chercher tout petit indice qui pas important qui pas existé pour capable justement craser CPT1. Et monsieur dit dans déclaration que j'ai fait avec moi, j'ai noté qu'il dit ULCC est un instrument de persécution politique pour dissoudre les CPT, maintenir Haïti dans l'instabilité. Donc, c'est ça que je partage avec moi comme information. Et les moins dit, Marcus, est-ce que pratiquement, ou pralgué pour aller devant la justice, puisque le commissaire gouvernement pralgué pour le convoquer, ou juge pralgué pour le réunir. Donc, monsieur, évoquer que, à qui titre et pour quelle raison? Donc, Maron, si. Allô, Joël? Je ne sais vraiment, et quelle est pour le réfléchir, mais. On va avancer, Oui, oui. Donc, est-ce que lui parle pratiquement de mon bagaille, ou bien est-ce que lui rétrécise quoi que ma fils, lui pas bralé? Mais ça qui est sûr, on a qui fait office de président, Léo souvent convoqué, ou même j'ai été convoqué Jovenel Moïse. Donc, il est très difficile pour eux aller. Donc, dans les coulisses, les représentants ou bien les structures politiques qui étaient entendues, qui étaient voyées, eh bien, Kounian, ils ont battu bravo, à savoir, monsieur, accord 21 décembre, ils ont tout net applaudi cette décision, bien sûr, rapport, qui était vraiment bon attente de la part de la population. Donc, ils ont été bienvenus. Maintenant, qu'est-ce qui a fait pendant la journée? Hier, c'était pendant une rencontre qui était gain entre membres CPTO et on tranche ou bien dans gouvernement, c'est dans moment ça rapport ça qui t'a sorti. Et c'est pratiquement dans occasion tout pour monsieur était tout bas de bouche sous dossier ça et selon ça que moi gagne comme information de la part de l'autre conseiller, c'est que monsieur jusqu'à présent Marcus était solidaire avec trois conseillers. C'est-à-dire il ne s'agit pas de Galet Blanc, il ne s'agit pas de Fritz Jean, il ne s'agit pas de Laurent Saint-Cyr, tout l'autre monde qui est dans CPTA, Marcus, yo entendio pour yo toujours supporter trois mondes puisque yo recroit rapport à sortir sans évidence. Voici le mot. C'est-à-dire, donc rapport à sortir sans information importante, sans information tangible et palpable. Donc, ben, c'est là. Bon petit problème et réellement pensé qui existait dans le rapport, et mais nous pas qu'à cracher sur lui, puisque il fait un travail colossal. Mais moi-même, en tant que journaliste qui a évolué sur cette politique-là, moi, j'ai justement des points, et il y a un bagage qui vient toute ampleur, ça, pour qui ça, et monsieur, pas classé aussi vite, d'accord. Donc, ça vous dit, évidemment, Gérald Gilles demande comme là, et maintenant qui hôtel lui demande lui, et ok, donc pour résoudre ça, donc Gérald Gilles avance. Dans le rapport que je me suis dit, Marcus peut-être capable de prendre un côté qui a décrit que Gérald Gilles, c'est dans la question 4 BNC a conseillé, il a pris, son sérieux de bagaille, il a pris, donc, et monsieur BNC a lui-même
des bailleurs pour capable faire influence sur pouvoir donc pour le président posti donc on pas joindre réellement à moins que moi pas li assez moi que les documents deux fois déjà bah côté aucun côté que ILCC donc a été indexé et bah vérité sur dossier ça qui est-ce qui menti dans mi-temps dossier ça est-ce que c'est Raoul est-ce que c'est le conseiller et c'est raison ça même. Donc, qui fait hier, dans la rencontre, ça, monsieur Otege, entre eux, ils ont dit, ils ont pas capable de lâcher trois conseillers parce que la question n'est pas tout à fait claire. Ils ont pratiquement baissé les temps jusqu'à présent de réponse, de bagaille qui est plus ou moins claire et nette, pour capable de répondre à la question. Ça. Mais on se question sur lui avant que nous avancions. Oui, Marius. Donc, par contre, tout à l'heure, bien, Marcus. Allô, allô, Marcus. Allô? 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 Alors, par contre, si vous entendez moi, Marcus, je vais essayer d'ajouter un casque, puisque moi, j'ai du mal moi-même pour me tenter. Nous, est-ce que c'est trois côtés par moi? Malheureusement, il n'y a pas trois côtés par moi, c'est ou même semblez avec le micro fermé. Baronne. Ok, good. Là, vous entendez? Exactement, exactement. Okay. Moi, je vais très bien là. Ok. Mm-hmm. Joël, est-ce que qui ça qui ça lié dans le moment comme tendance, est-ce que conseil yo a paré pour yo rete ou bien et tout porte à quoi que représent alors secteur que représente yo a remplacé quand même? Son combat. Tous les trois conseillers ont tenu yo pas braler. Il y a une nouvelle qui existait, c'est que Smith Augustin d'accord pour le passer place lien avec Edgar Leblanc fils côté le Tégué pour le président le 7 octobre Gabriel. Maintenant, secteur accord 21 décembre. Accord 21 décembre sous bon par lui-même, lui entendu pour Gérald Gilles aller. Il a gagné trois remplaçants jusqu'à présent. Il a gagné Vickerson Gagné. Il a été choisi même avant M. Gérald Gilles. Il était un problème de classe au patrimoine, donc il n'a pas choisi. Et également, Major Michel, il a choisi pour Tavin représenter à Accord 21 décembre. Et Vin Gagnon, l'autre bloc, il est bloc équilibriste. Donc, bloc ça, lui-même qui gagne, M. Valérie Dutré-Jacques, il a choisi et il a choisi monsieur parce que il y a deux grands Cap-Goumen, et même dit monsieur, c'est monsieur qui est capable, de, comment dire, c'est monsieur qui est capable de remédier à ça, qui a joué dans le tous les démonios pour capable bon solution équilibrée, pour capable bon sérieux, le bagage qui casse. Donc, c'est trois mouns à eux, là, des blocs, 21 décembre, ils ont entendu pour révoquer Gérald Gilles. À la l'exception que Gérald Gilles n'est pas d'accord lui-même, il n'est pas râlé, puisque selon lui-même, affaire ça manquait classé. Deuxièmement, il y a un compromis historique, RED, et ensuite aidé. Compromis historique et RED, il était dit avant, il faut que tu aies un rapport ULCCA. Pour yon connaît position yon qui s'apprend, entre autres, yon t'a supporté M. Smith Augustin. Maintenant, qui s'accroît le problème dans Marcus, c'est parce que, encore une fois, le rapport à tête en bas, virer l'envers, virer le devant, il y a des questions fondamentales, là, pas jouer une réponse pour lui. Mm-hmm. Est-ce que c'est des allégations? Est-ce que c'est menti, yon baille sous conseiller yon? À force que, ou pas jouer une réponse, est-ce que c'est menti, yon baille sous conseiller yon? Eh bien, ni les compromis historiques ont style toujours été derrière Smith Augustin jusqu'à ce que lumière faite réellement. Kounian, c'est seulement aidé qui était déjà pas dans Smith, bien que c'est lui qui était choisi Smith en grande partie. Eh bien, c'est lui-même Kounian qui était là pour la bataille, soit par bon côté CARICOM, par bon côté société civile, là, pour capable remplacer Smith. Avec, il y a un petit Dessalines lui-même qui était amplement
derrière Sami ou bien choix que vous avez fait, c'est Emmanuel Vettilaire, selon Moïse Jean-Charles, il n'y a rien pour eux à question ça. Et généralement, c'est seulement à 21 décembre et dès qu'il n'y a pas supporté le monde qui a été choisi. Maintenant, c'est ça qui va gagner, Marcus, selon ça que moi, j'ai demandé avec un technicien. Lors de nos situations comme ça, on est capable de faire un exercice de simulation pour eux dans une semaine qui s'est passé. On dit par exemple, Marcus, la valeur de la vie du président à travers Tichine et puis il y a toute stabilité. Eh bien, on va commencer à vivre dans une situation côté que on va commencer à gagner le monde qui va prendre les médias, on va avoir une opposition qui a besoin, à force que la valeur va des yeux pré-contrôlés. Et là, la valeur va prendre contrôle, il va avoir une position différente d'Edgar Leblanc, puisque Edgar Leblanc a été supporté par les trois zones indexées dans le dossier. Ça. Pendant ce temps, reste équipe-là, à l'exception de Fritz Jean, il est d'accord pour ces familles Lavalas qui viennent diriger la transition pendant 6 mois, ça va pas venir. Maintenant, Tony a qu'à changer si c'est Lavalas qui vient. Eh bien, pour Tony a pas changé, bon intérêt pour Kembe et Edgar Leblanc-Fils. Kounian pour commencer à gagner des mouvements parce que Edgar Leblanc-Fils pour le kidnapper ou bien pour faire coup d'état sous pouvoir là. Qui ça qui va le dire? Si c'est pas Edgar Leblanc-Fils, le gouvernement doit décider puisque c'est le gouvernement à travers CSPN pour le dire, donc conseiller ça, il faut que le météo disponible pour répondre à une question pour faire classer pour CPT à pas craser. Eh bien, pour CPT à pas craser, président CPT a pas l'obligé de aval pour M. Sarwal répondre à une question. Maintenant, si M. Sarwal pas décidé à répondre à une question réellement, soit comme ce gouvernement ou bien juge qui a convoqué, eh bien, bon seul moyen, un seul bagage qui est possible, gouvernement a choisi, rappeler tout policier donc, qui a baillé sécurité avec conseiller. Donc, c'est là, on va trouver un dilemme côté qu'on va avoir 3 mois en fonction, mais qui n'a pas aucun privilège et qui n'a pas notoriété pendant un bon série de l'autre monde qui a besoin de remplacer. Donc, pour résoudre le problème, ça, bon seul moyen pour résoudre le problème, ça, c'est manifestation. C'est instabilité politique et c'est instabilité à qui parle lancer ou bien qui parle toucher conscience politique haïtienne parce que c'est celle ça qu'a fait. Là où il y a 3 jours mon bac à l'école, on se met mon bac à l'école et là ça, je parle dire que un bien faut voir. Tant mieux son bagage, soit yo remplacé, soit yo gagne un compromis là-dedans. Donc en conclusion, m'a dit que monsieur va démissionner, yo dit va démissionner, d'ailleurs moi gagne ça comme information. Et reste même CPT ou dit tout, yo pas compte yo parce que question en pas clair dans le rapport ULCCA, Marcus. Mais là encore, Joël, est-ce que yo pas démissionné parce que pas gen aucun procédure qui clair dans cas d'accord, dans cas de accord 3 avril là, qui dit si yo je non conseiller dans corruption, mais comment pour yo soit faire démissionner ou bien soit remplacer, ou bien yo pas démissionné parce que ou bien on pas démissionner parce que yo estime que yo pas représenté groupement ou bien parti politique ou bien regroupement qui te voyé dans CPTA. Qui raison que fait choisir pas démissionner parce que l'on regarde et gon aspect moral et éthique dans bagaille là. À mon avis, moi j'ai deux raisons officielles. Moi j'ai deux raisons officielles, mais j'ai une raison officieuse. Dans deux raisons officielles là, c'est que tout le monde dit dans la presse c'est yon nan sa fait besoin de douleur. Mais si on dit c'est menti que on fait sur eux parce que on pas jamais demandé comme ça. Et on dit on était compté sur ULCC dans le rapport là pour ULCC c'était final dossier ça pour ULCC devine un rapport il dit selon un disque moyen l'entendre de Gérald l'entendre de Manuel Vettilaire l'entendre de Victor l'entendre de Raoul eh bien trois conseillers on pas jamais demandé comme ça c'est ton rencontre c'est ton duvet c'est ton cocktail c'est ton petit manger tapette entre amis pas gagner ah ouais à question l'argent ça. Bon côté Raoul tout lui-même il a tant que ULCC dit à savoir que indice que nous gagnons eh bien mais qui ça qui existait donc Raoul évidemment trois conseillers ont demandé l'argent ça donc parce que question fondamentale ça pas répondre en rapport là eh bien il vient permettre à ce que Marcus donc pas aucune décision que monsieur les prend puisque ont toujours été ils ont dit c'est menti qui ont fait sur eux. Deuxième réponse là. Monsieur vous croyez que parti politique ou bien groupement politique qui veut changer, c'est parce que ont une bonne gestion. Donc, selon un conseiller, et parti ou bien groupement politique, ils ont tellement mandé, tellement fait des offres
tellement dit, mais ça a besoin, mais ça a voulu. Donc, ils viennent trouver un moment. Donc, c'est comme si c'était pays à vendre. Donc, à force que ils sont pas capables de faire tout ça, ils ont demandé, les partis politiques, justement, voulaient changer. Mais pour ce faire, ils sont pas d'accord, ils ont changement pareil parce que mon groupe de monde qui pas satisfait assez. Mais, réponse officieuse là, c'est que, selon moi-même, gagner un fautif quand même dans le dossier ça. Et c'est sûr que si toi, monsieur, démissionnez, ou bien si toi, monsieur, quittez ça, li pas trop en faveur. Moi, pas dit que, évidemment, selon ça me connaît, je demande comme là. Mais moi, dit que, à force que vous voyez le dossier aller dans, vous mettez action publique en mouvement, ça montre qu'il y a des indices, il y a des preuves contre yon nan moun yo. Yon nan groupe moun yo. Baron tout la ma plus. Oui. Soit contre Raoul, soit contre trois conseillers. Mais, et, Joël, Raoul pas là. Et, ou parlez de indices, moi, les rapports là, effectivement, pas gagné, li pas clair, question, si vous demandez 100 millions de goud là, mais il y a de l'autre indice qui est suffisant pour vous demander une action publique en mouvement contre Negyo. Il y a une question 4 là, il y a une question, il y a une conversation, bon, que l'ILCC dit que le gagnant côté Negyo, il a fait et trafic d'influence, ça veut dire, ça y est, c'est, il y a une loi qui sanctionne et qui catégorise comme des faits de corruption. Ça veut dire, c'est vrai que, c'est vrai que Negyo n'a pas demandé 100 millions de gouttes. C'est possible qu'il va demander 100 millions de gouttes là, mais ça ne veut pas dire que Negyo exempte de tout reproche, il va faire corruption. C'est là pour Negyo pas déplacer débat. Débat, ce n'est pas seulement une question de 100 millions de goud. C'est est-ce que Negyo pas utiliser position yo pour que yo joigne des avantages dans l'État. Et là, nous comptons ça, ça veut dire. Et c'est un fait de corruption que lui. Donc, Negyo pas qu'à dire que vous avez ça. Oui, parce que sans vouloir être l'avocat du diable, mais ma essayé de dire un bagage sur question 4 là. Moi, je te dis ça avec M. Sonnet, qui c'est avocat. Alors, j'ai parlé avec lui hier également, avocat Raoul. Je me demandais, monsieur, quelle raison qui fait que Raoul t'a décidé, parmi tout ça qui existait, c'est un 4 de crédit qu'il t'a décidé par monsieur. Eh bien, suivant les postes, monsieur, moi, je viens de comprendre un bagage en plus. 4 de crédit, hein, c'est pas. C'est un fait normal pour un monde qui a 4 de crédit. Ni pour gagner moyen pour payer, ni pour gagner preuve qu'on est capable de payer 4 de crédit, hein? Ou capable d'aller dans n'importe banque ou la donne, si vous faites demande là, il n'y a pas de réel pour vous. Il y en a pas pour vous gagner dans tête là, Marcus. Tout le monde qui a 4 crédit dans le pays, 4 de crédit dans le pays, par président pays, ou bien par un conseiller dans le pays. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous conseillez qui fait que vous n'avez pas qu'à gagner 4 de crédit. Donc, 4 de crédit, hein, selon ça, moi-même, Gérald Viltim, avocat Metsounet Dim différent, on m'a parlé de plus de 1 million, combien 1000 gouttes. Et Metsounet, Raoul parlait de 20 000 dollars américains sous Ticatlan. Donc, Gérald Gilles parlait de 1 million 800, combien 1000 gouttes sous Ticatlan. En aucun cas, on ti 4, par exemple, dans 4 de crédit, hein, Marcus, selon compréhension, on ti 4, ou pas capable de prendre si tu n'as pas, ou pas, bah, on preuve comme on va payer. Maintenant, selon le document que moi, t'es, ouais, qui était disponible, son série de ti 4 que tu as, et procédure, tu as bien rempli. Et me dis ça avec Oudi, au époque, oui, monsieur Welto, Oudi, t'es, ouais, autour. Moi-même, comme client, mal et non, bah, moi, je dis, moi, besoin de 4 de crédit, je dis, combien qu'on va toucher, moi, je dis, ma taille, dans taxe 709, il y a payé une X, et chaque mois, eh bien, ok, ma cabaye Y, ou même ma cabaye tant en X en chaque mois, eh bien, je dis, ok, mais ensemble des documents qu'on est capable de signer, et à partir de quel moment. Moi-même, moi, t'es ouais, des documents qui signent, et il y a une façon où t'as pas le régulier. Comme, c'est des politiciens haïtiens, ils ont tous ces volants, ils ont Antonio, yo di, y a bay 4 de crédit, mais yo pa chambé, il même j'en ai pile nèg qui prêtait comme Lona, qui pa chambé mettre li, mais procédure là, li te fait. Kounya pou ki est mon avantage là? Avantage là, li
pour Raoul plus, parce que Raoul montrait que lui-même n'est pas dans la corruption. Mais qui ça peut poser problème, non? Dans l'information, dans la conversation que ULCC Guénamel et Marcus, c'est parce que dans la conversation, Raoul dit qu'on va commencer ainsi, on va commencer comme ça. Et ceci, il a interprété, et qui probablement c'est la vérité pure, les Raoul dit qu'il a commencé comme ça, ça t'a dit qu'il a commencé à verser 100 millions de gouttes là sur 4 de crédit. Est-ce qu'on comprend ça de là? Et il y a une série de messages qui dit tout, non, c'est trop peu, c'est trop petit. Mais ça, c'est de, ça suffisant comme indice pour yo... Non, ma vini, oui, il y a ça, c'est qu'à dit que comment yon client fait mandé un carte de crédit banque l'andil mais qui quantité la bali et puis pour client dit non li trop petit et c'est pas dans bureau qui aller c'est par des messages WhatsApp ou bien des messages SMS. Ouais, bien sûr. Les ULC c'est venir ça dans mes comme indice premier bagage yo capable dit yo capable dit gagner de indice de corruption. Parce que indice de corruption faut que tu as gagné pour ta corruption totale là. Faut que tu aies gagné interprétation, faut que tu aies gagné confrontation directe là. C'est parce que tu n'es pas capable de confirmer qui fait que tu demandes confrontation directe là. Et puis, confrontation, tu pas dit, eh bien, mais qui est-ce réellement qui va mentir? Donc, là, ULCC seulement gagné presque même élément d'information, nous-mêmes comme journalistes, nous avons gagné. Maintenant, qui ça, à quoi 3 avril l'a dit? À quoi 3 avril l'a dit, parler évidemment de soupçon de corruption. Et vérification de corruption. Est-ce que il a vérifié? Est-ce qu'il y a soupçon de corruption? Évidemment, oui. Mais est-ce que il vérifié et clarifié? Malheureusement, il n'est pas quoi. Maintenant, s'il n'est pas quoi, il y a une possibilité, oui, secteur capable de remplacer Mounta s'il jugeait ça important. Est-ce qu'on l'a plus? Oui, m'attendu. Maintenant, trois conseillers aussi t'as sur une seule raison. Il n'y a pas de travail sur l'accord 3 avril là parce qu'il y a 3 avril là pour qu'on publie. Qui donc, il n'y a pas capable de démissionner par rapport à un règlement qui est dans l'accord pour qu'on publie. Quand il y a un accord à publier, et les accords à publier, accord après le dit, eh bien, on va commencer à mettre en évidence qui s'attend dans l'accord. Qui raison qui bloque l'accord après le pour qu'on publie? Majorité de monde qui est dans le CPTR, ainsi que le gouvernement haïtien, Marcus, je regrette que je dis ça, parce qu'il y a une qui conformément avec l'accord 3 avril là, de manière claire. Malheureusement. L'accord 3 avril là, tu dis, mais comment vous choisissez ministre? Mais comment vous choisissez premier ministre? Mais comment vous choisissez directeur général? Et mais comment pour toucher en tant que conseiller? Mais qui est ensemble de privilèges ou pas, il ne faut pas de gagner. Tout à fait. Donc, l'accord 3 avril là, c'est un problème lié pour vous tous. Et comme étant donné CPT a te mangeon comme service d'intelligence déjà, yon tout nan problème pa yon, et bien tout nan, akon 3 avril la pa ka sorti, et bien kounyan, monsieur, entendu tout, yon pa démissionné suivant sa akon 3 avril la, li même n'était posté comme yon à sa. Mais on l'autre côté, Joël, li vin pi facile, ou pou yon jouer une solution politique, parce que si akon a pas répondre, évidemment. Et yon obligé à adopter une solution politique, et c'est peut-être nan solution, jouer une solution politique, ça qui a fait que. Et gen deux trois conseils peut-être tout ensemble là et puis on dit next ça nous écarter yo et là ça pas gen personne mon cap dit non puisque yo tout d'accord pas sous égide accord 3 avril là donc si qu'une si à quoi pas répondre et à quoi c'est lui même qui t'a supposé charte ou bien règlement janvier là s'il pas répondre c'est adopter une solution politique donc moi même d'appirer mes solutions politiques ça adopter et faites vite pour si c'est quatre moun n'a kembe kembe quatre moun non. Si c'est un grain de monde n'ap kembe comme président jusqu'à 7 février 2026, nous kembe au moins connaît gain un président transition hein, et que tout le monde capable focus sur lui-même. Alors ce que m'kadou, m'pense payant ni sous ça. Scandale là arrivé trop loin, doit bon solution qui fait, qui vini. Maintenant, est-ce que nous obligés déjà à une solution sans enquête ou sans de preuves tangibles? Bah, connaît. Il y a des journalistes qui veulent, puis on l'autre dire que moi, puisque nous chaque là sommes différents, mais moi-même, comment que moi, well,
moi ouais que nous passons pile misère pour nous vivre former bagage avec les CPTA. CPTA depuis l'elle montée c'est instabilité évidemment du côté pays a un paquet de bagage mais moi je crois que faut qu'il fait tout ça au capable pour pas craser CPTA parce que CPTA va plonger pays à dans instabilité pire parce que on dit ou craser CPTA aucun bégari connu seulement comme comme premier ministre. Mais CPT n'a pas obligé de craser. Si c'est 4 personnes qui ont prêté, 4 personnes ont prêté. Non, et ma question de confiance. 3 conseillers ont suffisamment d'informations si vous voulez aller pour craser CPT. Non, mais il n'est pas obligé de craser. Bon, moi, je ne veux pas que le craser non plus. Mais. Marcus, je me dis que Marcus, moi-même, avant là, quand je fais l'émission, pour une raison ou pour une autre, nous tous les deux, nous fautifs, nous avons une série de dossiers. Et puis, on choisit un dossier qui concerne bien remettre dans la rue. Et puis, moi, confirmer que je vais aller. Et qui est-ce qui va aller pour m'aller, c'est où? Et ou même tout, ou même grand en eau, quand on en fait, ou bien quand on fait, là tout. Qui ça m'a fait, ma plus? Évidemment, je pense que deux grands réseaux qui motivent CPTA, pas capable de craser, pas capable de lâcher M. Sayo, premièrement, c'est trop mauvais deal. Trop vieux monsieur gain ensemble depuis là on commencé depuis là on rentré à trop mauvais paroles trop discussion drôle qui gain entre yo trop comme qui pour utile payant donc qui utile poste qui petit petit ménage yo donc est-ce qu'on connaît conseiller gain 2 3 4 ménage yo comme si ménage officiel yo pas plus ça gain 2 3 4 ménage officiel sans compter petit ménage yo gain dans bureau sans côté mon cap vinn ba petit service qui aide mon cap aide yo donc on comprend. Donc, c'est des cap, c'est gaz. Mon question de gaz, mon question de cap, mon question de frais. Il y a un conseiller, moi, qu'on est là, qui gagne, pour petit deux ou trois, quatre ménages qui gagnent six, quatre dans l'État, sous aucune base. Oui, aucune c'est base. Corruption. C'est-à-dire, il y a exactement, il y a un qui prend cob. Le on va faire changement dans le secrétariat par les nationaux, il y a des faire changement. Il y a un qui prend cob tout. Reste cob qui te gagne pour travail présidentiel yo donc sous question affaire Ariel Henry. Allô Joël. Non mais comme ça oui. Est-ce qu'on pense que oui je suis là ma fils. Oui oui, m'a avancé mais t'es gon petit pause m'a avancé. Gon paquet comme qui pratiquement a fait donc t'a fait mais yo même c'est des comme yo t'a mangé donc chaque conseil yo moi dis ça comme information. Moi, il y a certaines informations, il y a un pile d'autres informations qui est capable de déranger CPTA toujours, qui a fait 100 millions de gouttes. Ok, un pile d'informations qui a déranger CPTA, pire toujours, de l'autre monde. Évidemment, tout le monde n'est pas capable. Mais tout le monde fautif parce que il y a trois l'argent, il y a trois informations que j'ai surtout dans trois données. Donc, tout le monde fautif dans les données. Moi, je pense que CPTA, c'est à trois conseillers ou bien la justice un qui est capable de prouver négligence dans la corruption et puis mander avec rescoa pour mettre les ça disponible pour eux et deuxièmement c'est négligence qui a décidé former à culpa dit OK bon ma transition en chance pour l'avancer parce que nous pas quitter pays à pour ça mais dans le cas contraire personne conseiller pas capable de dire non puisque yo chaque la des comme donc bon on comme que négligence gaspille ensemble on choisit ba yo. Mon argent qui était là pour assainissement. Ouais, comme assainissement, ça, et Marcus. C'est bon budget qui était plus petit dans l'an. Il était 28 millions de gouttes. Mais 28 millions de gouttes, donc on peut saluer pour deux monde qui gagne mégaphone dans tout pays, hein? Pour deux monde qui a essayé parler, qui a essayé bah, information, qui a sensibilisé le monde, pas jeter fatra, l'on est fatra, mais qui ça pour faire. C'est-à-dire seulement pour ça, les communications, oui, dire de bouche à l'oreille, là. C'est-à-dire, on est qui gagne mégaphone dans même. Et Mbappé Zedou, l'autre cop qui était pipiti ou bien qui était avant dernier, il était 80 millions de gouttes. Mbappé Zedou pour qui ça le dit. C'est-à-dire, chaque mois, pendant 6 mois assainissement, il y a 28 millions de gouttes qui sont disponibles pour les gens qui parlent. Dans les gaffons, il y a 80 millions de gouttes. Après, il y a 36 millions de gouttes. Donc, on paquette l'autre bagaille, 300 combien millions de gouttes pour les travaux. Donc, compte comme ça, yo. Et qui est-ce qui prend, yo? Est-ce que son seul conseiller prend, yo? Et qui s'accélère, yo? Est-ce qu'il y a assainissement?
yo même doué moun gen moun ki te resa dans la rue après acte à l'autre et ça fait mouvement pour propre et qui t'a pas qui est que la grâce de Dieu ça t'a pas aider malheureusement mais yo volé comme yo mangé comme yo donc gouvernement pas capable de servir à moun sa yo qui te commencé de nettoyer la rue donc malheureusement obligé font petit camper à cause des dettes donc pour pas qu'un exemple on pas qu'un bagarre là. OK, OK. Mais Joël, et n'a continuer parler de rapport parce que il y a un bon point que nous t'a supposé prendre temps pour que nous éclaircir beaucoup plus. Mais effectivement, Jean Bagaille là, il y a son solution politique qui bouge. Et nous pas qu'à dire n'a prendre décision sous base accord 3 avril. Nous pas qu'à dire n'a prendre décision sous base sa partie politique qui pense puisque ouais si nous t'a demandé pour ULCC faire rapport sous monde, bon, nous pas qu'à demander ça. C'est citoyen yo parce que faut citoyen yo comprendre que n'importe deux trois monde qui met tête ensemble là qui ouais que gon ancien politicien qui riche bien vite ka mandé ULCC et font rapport sur moun ça. Exactement, ka pose plainte. Jodi a là 3 octobre là trois grands citoyens ka di ULCC font rapport sur Claude Joseph, il était premier ministre, nous monsieur d'un coup monsieur gen en plein argent, d'un coup nous gen aider, nous ou gen moyen nan men a fait campagne. Font rap ou gen droit ça tout citoyen gen droit regardez deux trois citoyens gen droit ça ça veut dire ULCC ouvri li doit rete l'ouvri pour ça pas oublier dernièrement gen un journaliste c'est ou dit ça non qui prend initiative et qui mandé ULCC font travail sur ancien ministre planification qui c'est Aviol Florent et nous résultat c'est vrai que je dis à Aviol Florent pas et Florent pas des barreaux mais li en difficulté qu'on le veut ou non donc c'est bon, c'est des exemples qui montrent à clair que et demain ça doit venir de citoyens. ULCC c'est pas lui même qui va choisir faire rapport sur monde. Comme ça, c'est pas mandé le faire rapport pour monde. Exact. Bon, donc ça veut dire c'est si citoyens yo veulent gien des monde qui mettre en difficulté. Demain là, si gien 10 monde qui dit ULCC font travail sur Martelly, la obligé faire. Si ULCC demain matin dit font travail sur Jocelyn Privé, la obligé faire. Donc je dis à la nous gen outils nan men nous gen moyen nan men nous gen loi nous nan men nous qui ka permettre que conseil de avancer que fait nan bataille contre corruption. Malheureusement grand pile moun ki pa pense que gen pouvoir ça que gen droit ça comme citoyen qui fait que gen des avancées que pa fait nan quatre bataille contre corruption nan pays ya. Merci en pile Joël. Demain n'ap tan nou. Demain la Marcus, bonne journée. Donc et voilà, nous vraiment et te gen Joël qui font bon tirale ensemble avec nous. Et j'ai avant de finir n'a dit que malheureusement et nous que politiciens yo pou ka faire différence entre ça qui est essentiel et ça qui pas essentiel. Que n'a dit depuis quelque temps. Et c'est ça méthode là et c'est ça yo utilisé au Canada, aux États-Unis, dirigeants ont choisi faire ça qui est essentiel que ça qui pas essentiel. Je dis malheureusement ça qui est essentiel c'est que et gon pays créé la République dominicaine qui se voisin nous hier qui font réunion sous affaire souveraineté pays a et moins content ouais que gen un conseil national de sécurité et de défense l'autre boa qui a prend toute bagarre en charge ça que m'a parlé là depuis quelque temps que nèg yo refusé appliquer puisque ça existait déjà depuis novembre 2020 sous Jovenel Moïse. Yo été collé nos affaires CSPN qui pas marché, qui pas permanent, qui pas capable résultat, yo été à perdre du temps donc on bagarre qui pas essentiel. Et pourtant, nous avons 32 ans Abdil avec et force étrangère. On pays qui dit que le souverain, on pays qui dit que le grand monde tête li, on pays qui gagne 220 ans depuis que l'indépendant, li gagne 32 ans là. L'abdil avec force étrangère. Comment pour gagner force étrangère abdil avec et puis pour gagner sécurité, stabilité durable. On va gagner parce que la présence de la force étrangère même dit que ou son pays qui a prêté instable. Donc comment on fait pour nous sortir la donne? Il y a moyen pour nous sortir la donne. Et c'est sous ça de supposer gonfler force nous. Au lieu pour gagner monde qui dans CPT qui a demandé l'argent, nèg qui dans gouvernement qui a brassé tout qui besoin de l'élection, alors que pour qu'on ait une condition qui réunit pour l'élection faite, puisque pas de sécurité en notre pays. 32 ans, moi-même, c'est ça qui dérange. 32 ans, nous obligeons une force étrangère qui peut aider à gérer la sécurité dans le pays. Donc, de 93 à 2025, ou même prend. Alors, 2025, c'est le sa mission force multinationale à bout.
Et nous, te gon première mission, c'était missive pour moun ki moun année 80 ou qui certainement te kon moment ça. Et de 93 à 2000, te gagné en force ici, c'était missive qui te fait sous leadership États-Unis, qui fait 7 ans, qui durait. Alors, 7 ans et qui coûtait 14 millions de dollars. 14 millions de dollars. Vin gen UNMIH, qui vient après, qui fait pratiquement 3 ans. Et qui coûte un paquet d'argent. Donc, de 93 à 2023, si nous prenons avant et force multinationale là, et nous sommes capables de dire que c'est un paquet d'argent qui dépensait. Paquet d'argent qui dépensait. Et je dis, si nous contrôlons les quantités de copes qui dépensent de 93 pour arriver 2023, c'est près de, je fait des comptes en dernier, je vais garder l'information, c'est 9 milliards 192 millions de dollars qui dépensaient pour affaires de sécurité dans le pays. 9 milliards 192 millions de dollars et puis il reste que qui dépensaient dans les affaires de force multinationale. Force étrangère de 93 à 2023. Si depuis 2004, nous t'es ramassé l'argent pour gérer question ça, nous t'es recampé l'armée d'Haïti. C'est sûr que je dis à Alan pas de tout problème ça. Parce qu'on le veut ou non, il y a toujours des gangs dans le pays. Mais depuis qu'il y a l'armée qui campe solide, qui pour défendre le territoire, qui pour répondre avec exact théoriste. Bandi pa ka di la pran territoire. Bandi ka non zone a tire coup de balle. Tout côté même aux États-Unis que bandi gen gang. Conseil de pays qui plus ou moins stable mais gen terroriste tout non parti là-dedans. Mais yo pa fait la loi. Yo pa et prend des zones pour di a contrôler. Yo obligé par l'état. Mais si n'de gagne l'argent de ramasser depuis 2004 nous di n'a camp recamper l'armée a. Pour nous et corriger une action politique que Aristide avec international a fait là ici n'est pas comme ça et Salvador pour 21 000 kilomètres carrés environ légèrement plus petit que Haïti Salvador a au moins 48 000 militaires 48 000 militaires Haïti 27 700 kilomètres carrés. Nous même qu'on gagne 6000 même qu'on gagne un bon 3000 soldats 3000 militaires. Mais qui ça qui empêchait que nous ramasser l'argent nous font budget pour l'armée nous dit n'a mettez au moins à 30000 même si nous pas mettre la 48000 nous pas capable tête nous mentir mais pour ça ne pas dire que n'a mettez la 30000 militaires comme on pays tant qu'Haïti fait pas gagne l'armée qui campe solide on l'armée de 30000 monde qui pour défendre territoire pays a qui pour assurer la défense nationale qui pour répondre aux actes terroristes qui a fait dans le pays. Mais comment vous voulez battre contre le terrorisme avec la police? Ça n'a pas de sens. La police n'est pas formée pour combattre le terrorisme. C'est l'armée qui est formée pour le battre contre le terrorisme. D'ailleurs, les militaires n'ont pas à ton côté. Militaires n'ont pas à ton côté pour. C'est deux balles qui ont battu de lui. Militaires n'ont pas à ton côté pour le red côté. Ils paraissent pour le neutraliser. N'importe quel monde qui longe un bout de bois devant militaire l'a éliminé. Et pour ça le former. Et pour ça le former. Nous connaissons un film, côté militaire intervenu dans une zone. Il y a des petits mouns qui levent un lance-roquet pour aller tirer sur militaire tirer. Parce que militaire pas mourir pour vous. Il pas prendre risque là pour vous et pour ça le former, pour neutraliser tout le monde qui campe, même un petit bois ou boulanger. Donc ça est extrêmement important. Il est extrêmement important pour nous comprendre. Donc, je dis à la Banque mondiale qui dit que n'a perdu 900 millions de dollars par année. 400 millions de dollars dans frontière yo. Parce que y a un contrebande qui a fait. 600 millions de dollars dans port yo. Et pas moins que dit, c'est Banque mondiale, grand pile économiste qui reprend. Tout le monde voit l'argent, ça n'a pas perdu. Mais ça fait ne pas prendre disposition pour nous sécuriser frontière, port yo, pour nous faire au moins, même là, nous avons fait 900 millions en entrée. Nous quittons 100 millions pour nous faire coquin. Mais au moins, nous avons 700 millions. Nous avons 700 millions de dollars. Au moins, nous avons un budget pour l'armée, nous avons 200 millions de dollars par année pour nous gérer 30 000 militaires. Et puis, nous avons 50 millions, nous avons 250 millions pour les militaires et les policiers. Mais ça, c'est un élément de solution. Ça m'a découragé, c'est vrai, mais nous avons fait. Nous avons fait.
Et bien, moi, je dis non. Bank mondial qui dit, gardez cop qui a perdu dans la frontière en Haïti. Gardez cop qui a perdu dans le port en Haïti. Parce que les postes frontières, ils ont des espaces privés. Nèg fait contrebande, nèg entre à faire yo, yo pas payer l'état. Pour yo, nèg entre, yo pas payer l'état avec tout ça. Imagine ou, pour airport là, c'est madame mon sénateur qui responsable tout l'argent vinn nan men. Pour nèg dans secteur privé ya, c'est la Kaeli pour inspecteur la douane vinn chita pour ba la possibilité pour l'entrée avec produit sans pas payer l'état en goud. Donc ça veut dire 500 millions de dollars que tu as supposé pas rentrer par année dans pour yo. Nous pas arriver rentrer parce que gen contrebande. 400 millions de dollars qui t'a rentré dans frontière nous pas arriver rentrer parce que contrebande yo c'est pour député sénateur. Madame sénateur maintenant sénateur nèg qui dans l'état moun qui pas dans l'état tout mais qui gen contact sénateur avec député avec président avec ministre avec directeur général. Donc je dis à li essentiel pour que nous al là nous dit bon trop gagote. On suspend mandé, on a là. Moi, même c'est ça. Chaque jour, je parle de lui, si c'est pour ça. Parce que même refuse de parler de problème. Je regarde des solutions qui sont possibles. Et ça, son solution possible. Ça, si nous sécurisons les frontières avec Poyo, c'est ça que je remè. Et ça fait même besoin de l'armée à recamper solide. Parce que le pas normal. Besoin de l'armée à recamper pour une question historique, comme on paye de quoi ici. C'est l'armée qui bat l'indépendance. Jodia, on bagaye au moins l'armée de 30 000 à 35 000 moun. Mais Jodia, République Dominicaine, jour, le gal pimpe tourne. 10 000 moun par semaine, en plus 10 000 moun ça, c'est 10 000 jeunes garçons et jeunes filles. Gen nan ki étudie médecine, gen femme qui étudie médecine en République Dominicaine, beaucoup kon kote ou al travay. Mais ou te ka rentre dans l'armée, évolue comme médecin dans l'armée. L'armée a pa gen moun ki pou te écoute bal seulement, gen médecin, gen ingénieur, gen agronome, gen tout kalte moun. En dan, ou comprenez? Gen aviateur, gen nan kap conduit et camion, gen nan kap conduit poids lourd, gen moun kap travaille dans la marine, bateau. Donc, ou que je tout calte moun dans l'armée et pour que ça ne balle après moun ça retourner te dans l'armée et pas l'argent pas manquer nous pas chercher l'argent parce que c'est difficile pour nous nous pas manyer à des intérêts parce que deux trois nèg gen doit décider que y a fait 400 millions ça rentrer dans poche yo et personne moun pa ka manyer yo si gen pour oligarque c'est moun ça oligarque c'est moun ça oligarque comme si ne pas ka joindre 250 millions de dollars par année pour nous dire n'a camper l'armée avec la police solide en Salvador fell nous pas ka fell. Un conseil de pays en Amérique latine qui fait nous pas qu'à faire. Alors que même Banque mondiale dit nous ça. En pile gros économie si t'ap dil, yo d'accord sur lui, yo ouais problème non, personne moun pa vle toucher problème non. Donc faut que nous recamper système défense pays a. Moi même ça fait mal. Hier le moi information République Dominicaine me dit quête monsieur. Nèg yo gen Conseil national de sécurité et de défense pour la souveraineté de la République Dominicaine. Ça veut dire yo même yo dit au souverain. Yo sont peuple souverain. En réalité, nous même c'est notre tête nous lié. Li pas existe en réalité ya. N'a pas dit nous sont peuple souverain, nous gain souveraineté. Et dans bouche et dans tête nous lié, mais il pas existe en réalité ya. Parce que au moins nous pas gain des institutions qui pour permettre que qui pour garantir existence la mais avec la police, qui pour faire faire travail yo, qui pour retirer dans sanier là. Moi clair sur ça, si nous pas recamper la mais avec la police, café nous a couler avec ma. Dans 10 ans encore Kenya ou pralé n'a pas retourné gon force multinationale. Parce que problème qui pose là, son problème pour l'armée résoudre. Son problème institutionnellement l'armée doit camper pour le résoudre li. Faut qu'il y ait des organes permanents qui réfléchissent sur comment problème ça a évolué. Parce que jodi a nous gen yon série de nèg là. Qui c'est Izo ti la pli n'importe genre là. Demain, yo ka transformer en de l'autre monstre. Est-ce que ne paraît pour neutraliser yo là au fin transformer? Parce que ti moun kap vin après yo. Y a pi méchant, y a pi du passé nèg ki la oui. Et yo gen technologie, yo gen YouTube, y a gade tutoriel, y a gade une série de gros matériel. Depuis yo ka jwenn côté pour acheter matériel ça yo pour yo nuire la République. El kounyan bral gen problème oui. Nous va penser à ça. Donc comment pour jodi a la, ce qui est à l'ordre du jour, c'est pas comment pour nous recamper là, mais y a tout bon vrai. Même prudent avec question l'armée, mais l'innécessaire. 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 Donc, même pense que pas de souveraineté sans défense, pas de dignité sans défense, c'est même gens pour un corps humain. Pas de santé pour un corps humain sans un système de défense. Ou le système immunitaire, c'est le système de défense ou faible, n'importe si poussière vous y aller, n'importe si poussière vous grippe,
n'importe si infection, n'importe si bagay, vous y allez. Parce que système de défense quoi pas répondre. Et gon niveau système de défense tellement faible, même vitamine C pas ka mettre au campi. Moun ki met se ou konta map diya, pa gen aucun jon ka gen la santé sans un système de défense. Pour encore, c'est même gens pour un pays ou pas ka di que ou son pays qui gen souveraineté sans qu'ou pas camper un système de défense. Qui gen l'armée qui opérationnel, qui gen effectif, qui répond en l'air, qui répond à terre, qui répond sous la mer. Ou pas ka parler de dignité comme peuple sans que ou pas gen première institution qui bon indépendance là qui force peuple là peuple libéré à peuple blanc camper opérationnel ou pas capable de dignité sans l'armée sans la police qui camper frais qui camper mine qui touche qui fait travail li on l'armée qui camper mine qui camper frais qui camper pour défendre intérêt pays qui défendre territoire pays a pas aucun moyen pour sortir comme ça. Merci à tout le monde qui t'a suivi live là et nous prenons reste là nous parler à Joël. Nous faisons ce travail là après Foucault. Moi-même, je parle avec comme tout, comme citoyen. Même j'en bats information comme journaliste. Et je pense que je dis, ce n'est pas trop important pour me rester sous Louis-Gérald Gilles seulement, Emmanuel Vertiller seulement, et Smith Augustin seulement. Le plus important pour nous garder, qui sont capable de porter comme solution. Je pense que pour journaliste là, commentateur, citoyen, il doit davantage là pour attirer attention aux autorités sur des solutions qui possibles, même si, je me tape dit à l'heure, nous pas jouer 900 millions, mais si nous pas jouer 600 millions, au moins, nous pas réduire bol blé, nous pas éviter bol blé, nous pas éviter cuir, allonger, parce qu'on peut mendier par une dignité. Et c'est dans ça pour nous sortir. Merci à nous tous, rendez-vous demain pour une autre édition journal, toujours même équipe là, présentateur avec tout correspondant, avec ou même tout qui est très important, qui non seulement suivre, mais qui échange ensemble avec nous.